7h-9h, du lundi au vendredi, la suite du réveil. Good morning avec MyShop Supermarché, votre supermarché avant la clinique de Nouville. Toutes vos courses à portée de main. Il est avec nous ce matin pour nous parler de son second EP du projet de trilogie. C'est sorti le 17 février dernier, donc il y a trois petits jours, qui s'appelle Insomnie Euphorique. Laurent Navarro est avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Salut Greg. Quel plaisir de te recevoir à nouveau. Oui, bah, ça nous permet de nous voir deux fois par an. Voilà, enfin, en tout cas une fois en fin d'année passée où tu nous parlais de ton lancement de ce nouvel album solo, hein, un projet qui a commencé en 2022. Et puis aujourd'hui on te reçoit pour parler du deuxième volet. Vous me recevrez, j'espère, pour le troisième qui est prévu je ne sais pas quand. Ah, bah, j'allais te poser la question justement, on en saura peut-être un petit peu plus après. En tout cas, Laurent, les ambiances pop du premier EP qui était tenu par comment lui résister, hein, qu'on passe en ce moment à l'antenne. Cette place a des titres un peu plus rock cette fois-ci. Oui. 6 titres qui composent ce nouvel opus, dont 2 sont des remixes de l'album précédent. Toujours des textes en français d'ailleurs, avec plusieurs thèmes que tu as traités, comme par exemple la trahison, encore le combat des femmes contre la violence ou encore la mort. Des thèmes qui te touchent de près, Laurent, c'est quoi? C'est de ton parcours, inspiré de ta vie? Comment t'écris ces thèmes? Forcément, ça arrive comme ça. Pour ce qui concerne le combat des femmes contre la violence, c'est la chanson À travers la ville. Ouais. En fait, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans un bus, dans une grande ville, quand j'étais en vacances, et c'était le soir, et je voyais une fille qui courait comme ça dans la rue. Et je me suis mis à imaginer en fait plein de choses autour de ça, parce que tu la connais pas. Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des difficultés dans la vie, dans son couple par exemple, et qui court le soir pour essayer d'évacuer tout ça et de se dire quelle pourrait être sa prochaine vie en fait. Donc en fait, ce titre est tiré d'une vie que tu as inventée. Absolument. D'une femme que tu as vue dans la rue. Mais avec forcément un rapport avec ce qui se passe dans la vie réelle aussi. Bien parce sûr. Que ben, on connaît, malheureusement, on connaît parfois des gens qui sont mal dans leur couple, qui subissent des violences, les femmes notamment. Et j'ai fait un petit peu ce parallèle-là. Mm-hmm. Et en la voyant, j'ai imaginé cette histoire. Et puis surtout, j'ai imaginé quelqu'un qui essaie de se rebeller aussi, et qui essaie de se dire, bon, ça va pas très bien, mais là, je cours tous les soirs pour désamorcer un petit peu tout ce que j'ai en moi, mm-hmm. avec l'idée aussi de me dire comment je peux faire pour m'en sortir, en fait. Voilà. D'accord, mais c'est intéressant de savoir comment tu as écrit ce titre, À travers la ville, hein. C'est ça qu'on écoutera tout à l'heure. Dans cet album, tu as envie également de grands espaces, hein, parce que tu as mis également en musique avec le titre Sur la route. Alors c'est quoi? C'est un Laurent rocker qui rêve de partir sur la route 66 qui est déjà parti là-bas. Voilà. Tu écris cette chanson à travers ton expérience là-bas justement? Oui, et puis ça raconte plein de choses. De toute façon, on a tous des envies d'ailleurs, hein, je pense. Ouais. Moi, ça peut se matérialiser avec une grande route aux États-Unis, pour toi, ça peut être autre chose. Ouais. Chacun invente un petit peu la vie qu'il aimerait avoir en parallèle à sa vie sociale, qui est un petit peu obligée avec le travail, etc. Ouais, en fait, tu nous fais un mélange entre fiction et vie réelle. Oui, j'aime bien ça. C'est pas biographique du tout. Non. Mais il y a une pointe qui a inspiré ta vie. Il y a des petites choses qui arrivent comme ça. Oui. Alors tu parles de la condition sociale également aussi avec le titre Crazy World qu'on écoutera en fin d'interview. Et le dernier qui est un petit peu rappé d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, genre ouais. Quoi, tu slams ou C'est pas ma manière de chanter habituelle, donc j'ai voulu faire quelque chose un petit peu différent. Ouais. Rapper, toute proportion gardée. Je suis pas un rappeur et tous les rappeurs qui nous écoutent, je vous rassure les gars, j'arrive pas à votre niveau. Mais c'est un flow c'est un flow de parole en fait, beaucoup plus que quelque chose qui est chanté. Et pourquoi tu as choisi de faire un flow de parole un peu slam? Je sais pas. C'est venu comme ça. Tu fonctionnes à l'inspiration en fait, Laurent. Hein, ouais, c'est l'instinct. L'instinct. Ouais. Et puis ça vient ou ça vient pas en fait. Bien souvent, c'est la nuit que ça arrive. C'est pour ça que l'album s'appelle Insomnie Euphorique. Ah voilà, c'est ça. C'est que entre 2h et 3h du matin, quand j'arrive pas à dormir, moi j'invente plein de trucs, quoi. Voilà. Alors justement, Insomnie Euphorique, on aura l'occasion aussi de l'écouter en deuxième partie d'interview. Et pour le lancement de ce deuxième EP, donc qui est sorti il y a 3 petits jours, le 17 février, tu as choisi le titre Toutes les histoires. Alors qu'est-ce que ça nous raconte ce titre? Pourquoi d'ailleurs avoir choisi celui-ci pour représenter ce deuxième EP? Parce que je l'aime bien. Ah, simple aussi.
voilà, c'est juste le clip de ta chanson. Ouais, je trouve qu'il se l'est bien, peut-être un peu mieux que les autres. Enfin, tu sais que dans un album, t'as toujours un petit préféré quand même, bah oui, bien quelque sûr. Chose qui te correspond bien. Donc j'ai choisi pour ça. Toutes les histoires ont une fin, c'est l'histoire de l'humanité. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes les civilisations ont une fin. C'est un petit peu la trame de cette chanson. Donc après, comment on y arrive à cette fin, c'est pour ça que dans le refrain, je dis, c'est à toi de choisir ton chemin. Mais c'est intéressant ça d'ailleurs. C'est à toi de le suivre aussi avec ton instinct, entre savoir ton instinct. Où tu vas aller. Mais il est nécessaire de savoir que tout a une fin et qu'il faut peut-être en profiter. Il faut peut-être aussi choisir la meilleure des fins possibles. Bon, en tout cas, choisissons déjà le début. Avec ce deuxième EP, j'ai envie de te dire. Et une couleur d'album donc un petit peu plus rock que le Oui, le même dans les sons, c'est beaucoup plus brut en fait. C'est ce que j'ai un petit peu voulu. Je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle Damien à Los Angeles, qui a mixé l'album, qui a fait toutes les batteries également sur cet album. Et on est parti sur une idée de quelque chose de brut. Il y a moins d'arrangements de guitare comme il pouvait y avoir sur le précédent EP, qui était très bien. Comment lui résister, ouais. Voilà, mais qui avait été mixé en France avec une idée de French pop. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, voilà. Ça sonne, hein, très French pop. Voilà. Hein. Et là, non, c'est un petit peu plus brut. Et puis, il y a de belles parties de guitare. Je pense qu'on pourra peut-être en parler. Oui, bien sûr. Des collaborations, même calédoniennes, oui. Puisque Pascal Allègre, notamment, a fait un super solo, super travail sur la chanson Insomnie Euphorique. Ah, ouais. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Voilà, il y a un guitariste américain également, Mark Trance, qui a fait des solos et des arrangements sur trois des chansons. Donc voilà, c'est sympa quoi. Pourquoi t'être entouré de tous ces gens un peu partout comme ça aux États-Unis, la je France savais, Je savais pas que j'allais m'entourer d'eux comme ça en fait. C'est arrivé comme ça? C'est oui, il y a des j'ai des amis à droite et à gauche, donc en fait il y a des pistes qui s'ouvrent, c'est le destin. Donc tu parles de quelque chose à quelqu'un qui te met en relation avec une autre personne. De fil en aiguille quoi, tu tricotes ton album comme ça. Bah là, Mark Schwantz, c'est Damien qui a mixé l'album, qui m'a conseillé ce gars-là parce qu'il travaille avec lui aux États-Unis. Donc je lui dis pourquoi pas, parce que moi je suis pas un spécialiste des solos en fait. C'est sûr que j'aurais toujours aimé faire ça. Donc en fait, tu t'es entouré de gens qui pouvaient t'aiguiller. Mais les solos, je suis mauvais. Mais non. Bon, mais ça manque de plein de choses. Et j'ai préféré en fait déléguer ça à quelqu'un qui à qui c'est son travail, qui a beaucoup de feeling autour de ça. Bon, oui, tu as raison, parce qu'en seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oh, que c'est beau. Ah, t'as vu comment c'est joli. Et ce Mark Schwantz, en fait, il est très intéressant parce qu'il fait pas que de la musique rock, en fait. Il compose des musiques de films. Il est dans l'univers pop rock. En fait, il fait plein de choses, ce garçon. Il est multitâche. Et j'ai trouvé très intéressant le fait qu'il puisse poser des ambiances. Donc il a écouté les chansons, il a posé des ambiances de guitare par rapport à la chanson. Il a pas fait du solo au kilomètre, en fait. Il a mis les notes qu'il entendait lui par rapport au thème de la chanson et ce que ça l'évoquait, lui évoquait. Donc en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, ça ressemblait à ton idée de départ. Il y a des choses qui ont changé, qui ont complètement changé, mais j'ai laissé faire les choses. Ah ouais. Tu t'es laissé embarquer par. Il m'a fait des solos. Les trois quarts du temps, ça fait mouche. En fait, il m'a envoyé deux, trois prises différentes. Et là, du solo qu'il avait fait, et je disais celui-là il est bon, on change rien, il est parfait quoi. Ce que je propose Laurent, c'est qu'on écoute justement ce nouveau titre qui s'appelle Toutes les histoires, puis on se retrouve juste après pour nous parler un petit peu de la genèse de ce projet justement, puisqu'on en parle. Ça marche? Bah ça marche, oui. Allez, Toutes les histoires, c'est le nouvel EP signé Laurent Navarro. Docteur Phil.
La réalité de l'extérieur nous glace. Tellement peu de courage pour y faire face. On risque de griller l'interface. On a peur d'y laisser notre peau, notre âme, notre dernière flamme. Mais toutes les histoires ont une fin. Et c'est à toi d'en choisir le chemin. Oui, ce monde est incertain. De 8h à 9h, du lundi au vendredi, avec MyShop Supermarché. C'est aussi une sélection de snacking pour vos pauses déjeuner. Info Facebook, MyShop Supermarché Nouville. Good morning, un checker vitaminé qui va vous booster toute la journée. Laurent Navarro est avec nous sur Énergie ce matin. À l'instant, son dernier titre, toutes les histoires tirées d'un projet, donc d'un album solo qui s'appelle Insomnie Euphorique. Et on en parlait un petit peu hors antenne sur la fin de la chanson. Donc on parlait de ce solo que Mark Chance a eu la gentillesse de déposer sur ton titre. Un solo de guitare, donc tu me parlais slide guitare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le slide guitare? Le slide, c'est jouer avec un bottleneck, en fait une pièce métallique, okay, que tu fais glisser sur les cordes de la guitare pour en sortir des sons comme on a pu entendre. C'est ce qui donne ce côté un peu électrique comme ça. Ouais, c'est beaucoup utilisé dans le blues, c'est beaucoup utilisé même dans le rock d'ailleurs. Parce que j'ai vu par exemple un groupe Fogat aux États-Unis, le guitariste il faisait du slide tout le temps, tout au long du concert. Il joue avec les doigts en même temps, tu vois, il le met sur l'index ou le. Ah, mais oui, majeur. J'ai déjà vu, ça ressemble un peu à deux bagues comme ça, non? Ouais, le bottleneck peut être en métallique, il peut être également en plastique. Peux jouer avec une bouteille de bière si tu veux aussi, ça marche très bien. Ah bon? Oui. Soit du verre, du plastique ou du métal, voilà, en fait, ça sonne. Ça fait une résonance et voilà. Et c'est ce qui t'a fait craquer justement avec Mark Chance quand il t'a fait écouter ce solo? Oui, parce qu'il n'avait pas fait ça jusqu'à présent et donc lui, il a trouvé cette idée-là. J'ai dit super, moi, j'y aurais même pas pensé, donc bravo. Vas-y mon gars. Alors du coup on va revenir un petit peu sur la genèse de cet album, parce que là c'est le deuxième EP hein, donc, qui est représenté par ce titre Toutes les histoires. Comment a commencé l'histoire de cet album Laurent? En fait il a commencé avec la retraite. Ouais, donc 2021. Non, oui, c'est parce que j'accumulais énormément de chansons, des bouts de chansons, des démos que je faisais à la maison, et puis j'avais pas forcément le temps toujours de pouvoir les mener à bien. En fait, c'est ça. Après, du temps quand tu as du temps, oui, c'est énormément de temps. Bien sûr. Les gens pensent que la chanson tu l'as fait comme ça, mais ça peut prendre. J'ai compris en fait, et ça c'est intéressant pour moi qui étais à la radio pendant quelques années. Oui. J'ai compris la fréquence de sortie des albums de certains artistes, parce que des fois on se dit bah ouais, mais il a rien fait depuis 3 ans. Eh oui. Mais je peux te dire que c'est du boulot, quoi. Bah oui. Et que tu l'écriture, il faut avoir l'inspiration, il faut tomber sur les bons gars pour faire le truc que t'as envie qui sonne. C'est pas toujours évident. T'as des moments où t'as pas envie. Là, je suis dans une période où franchement, je compose pas du tout parce que j'ai pas envie en ce moment. En fait, il y a tellement de la musique, c'est ça aussi, c'est l'envie en fait. Hein, oui, mais c'est tellement émotionnel en fait. Bien sûr. Tellement, c'est tu fais des choses et puis quand t'es dedans, c'est à 2000% en fait. Et donc une fois que l'album est terminé, t'as besoin que ça s'arrête un petit peu, de faire autre chose, d'aller tondre le gazon, parce que de toute façon l'herbe a commencé à pousser. Donc Madame n'est pas très contente. T'es sympa avec ton album, mais maintenant là j'ai un champ de coquelicots. Que tu te démerdes de prendre la tondeuse. Ah, et j'en ai marre des boîtes de raviolis, faudra que tu te mettes à la cuisine. Ah, et ben voilà, hop, l'homme à la baraque. Donc du coup, ça commence, donc, comme on le disait, un petit peu à la retraite en 2021. Tu installes un home studio à la maison, ça part de là. Tu parlais de tri de chansons, j'ai cru voir dans ta bio 70 chansons à peu près que tu as dû maintenant, trier.
je suis arrivé à une centaine, je pense. Alors, il y a du bon et du mauvais. Oui, bah, quand on dit j'ai 70 ou 100 chansons, ça ne veut pas dire t'as que des chansons qui sont... Des fois, c'est des rythmes, des fois, c'est juste un texte. J'ai écouté en venant certains titres que j'espère peut-être, sur lesquels j'espère travailler pour le prochain album. Et tu vois, il y a certains trucs, je ne trouve pas abouti encore. Quoi. Mm-hmm. Je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. D'autres, ça vient instantanément. Tu dis, ah, celui-là, il faut vraiment le mettre. Mais il y en a d'autres, tu te dis, il y a une idée, mais en fait, c'est encore... À travailler, quoi. Ouais, c'est à travailler. Quoi. En fait, tu as cherché un peu de cohérence dans tous ces titres pour en sortir que... Tu en as sorti 6, en fait, c'est ça, hein, sur cette album. Alors, je voudrais expliquer pourquoi il y a le remix aussi des deux titres précédents. Mm-hmm. Comment lui résister? Voilà, parce que c'est un titre que j'adore personnellement. Ouais. Voilà, désolé. C'est les paroles, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est l'ensemble et tout ça. Et quand j'ai commencé à recevoir les batteries de l'album là, qui vient de sortir, je me suis dit, ce serait bien d'avoir une version beaucoup plus rock. Ouais. Punk. Ça, peut-être pas punk, mais déjà toute la batterie a été refaite entièrement et le mixage est complètement différent. C'est pas que le mixage précédent était mauvais, au contraire, c'était super bien. C'est juste une autre couleur. Dans une ambiance pop rock. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai envie de l'entendre cette chanson, mais version rock en fait. Mmh. Comme un live, quoi. Et pareil sur la route, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, surtout la batterie, et puis le mix a été entièrement remodelé. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai mis que c'était une version remix alternative. Et ça unifie l'ensemble de l'album avec ses chansons, je trouve. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est 6 titres, dont 2 qui ont été remixés. Remixés. En fait, c'est ça. Hein. Donc du coup, là, on a à côté donc un peu plus pop, un peu plus rock, pardon. Mm-hmm. Deuxième EP, on en parle aujourd'hui avec le single donc Toutes les histoires, mais également Insomnie euphorique qu'on va découvrir juste après cela, et donc un troisième parce qu'en fait, ça va être 3 volets. Donc le premier est sorti en fin d'année, le deuxième le 17 février, mm-hmm. donc le troisième le prochain qui est plus acoustique folk. Ouais, c'est plus de la country rock en fait. Hein. Okay. En fait, c'est ce qui représente les influences qui m'ont construit musicalement. Mm-hmm. Donc j'ai aimé et de la chanson pop française, du genre Bachung, même Eddie Mitchell, j'aimais bien écouter ça, enfin tout ce genre de chansons. Mm-hmm. J'ai aimé le rock, et j'aime aussi des versions beaucoup plus country rock, folk acoustique, voilà, où t'es un petit peu guitare plus posé, beaucoup de guitares sèches, priorité aux voix. Donc on travaille là-dessus sur ce troisième qui sera plus folk acoustique. Et là du coup ça va être de nouveaux textes ou aussi tu vas reprendre quelques titres existants aujourd'hui Que du nouveau. On repart à zéro. Et là pareil tu prends dans ta discographie. Voilà, j'écoute. Alors ce qui sera important aussi c'est que je mettrai en lumière la voix de ma femme aussi sur Marie-Laure Cagier, sur pas mal de titres parce qu'elle chante drôlement bien. Elle fait les chœurs d'ailleurs hein, sur. Elle fait tous les chœurs, elle fait les claviers et elle est derrière avec le martinet. Allez Laurent, le jardin. Non, musicalement quand ça va pas, je vais te dire, elle me le dit hein. Parce qu'elle est musicienne, Marie-Laure. Elle est musicienne, c'est une très très grande musicienne. Clavier aussi, je crois. Hein. Clavier, elle chante super bien, elle chante dans des chorales aussi, elle a un registre vocal qui est largement plus étendu que le mien. Voilà. Ça a été un bon combiné. Ouais, je pense que ce sera intéressant de l'entendre sur le prochain album, parce que je pense qu'elle aura au moins 3 chansons sur 6 ou 7. Ah oui, donc sur la version folk acoustique. Hein. Ouais, elle a des fois des accents un peu à la Stevie Nicks, je trouve. Ah, cool. Pas dans le côté éraillé de Stevie Nicks, mais sur la manière assez haute de chanter. La tonalité de la voix. Et on a fait ensemble aussi une chanson qui était électro-rock, et je sais pas où la mettre cette chanson. Ah ! Surprise ! Bah ouais, mais alors le troisième, tu vas faire comment ? Je sais pas, elle est faite complètement, c'est elle qui chante dessus, elle est super, mais... Un inédit. Oui, mais je sais pas où la mettre. En fait, tu vois, dans la trilogie de l'album, il n'y a rien qui correspond à la case où je pourrais la mettre, où elle soit en cohérence. Justement, en dehors des cases, ça peut être sympa aussi. Un single peut-être. Ouais, un single, voilà, exact. Ouais. Une nouvelle sonorité, une nouvelle couleur. Là, on part dans les directions qui est plus dans le registre de Marie-Laure, en fait, sur la techno, parce qu'elle aime ça aussi, techno. Donc là, ce sera un mélange électro-rock. Ah, ce sera électro-rock, ça va être sympa, ça. Un petit radio-édit, Laurent, d'ici quelques instants. Non, écoute, je sais pas. <L'année prochaine. rire> En tout cas, pour en revenir sur la genèse de cet album, c'est un long travail, parce que ça a été parsemé d'embûches, mais aussi de pas mal de bons moments. Mais on avait des textes en anglais à la base. Alors, qui est-ce qui avait écrit ces textes? C'est moi qui ai écrit des textes en anglais. Pourquoi t'as écrit en anglais? D'un coup, tu as voulu tout. Parce que j'ai commencé à les chanter toujours en anglais. C'est le flow? Oui, j'ai cette manie, quand je compose la chanson, de la chanter en anglais. Enfin, c'est du baragouinage aussi. Hein, mais bon, je trouve que voilà, ça me permet de faire venir une mélodie plus rapidement qu'avec le français. La difficulté étant de la basculer en français après, parce que tu perds tes repères. C'est ce que j'allais te dire. Donc.
Ouais, mais bon. Bah, pas facile d'adapter un titre en anglais en non, français, mais garder le rythme, je le message original aussi. Il faut que je le fasse parce que d'une part, l'anglais c'est pas ma langue, donc si je le chantais en anglais, ce serait ridicule, même si les mots sont bons. Mais en fait, bon, l'accent, c'est, l'accent anglais, ce serait, ouais. ce serait catastrophique. Et donc, ma langue, c'est le français. Et il y a beau aussi dans le français beaucoup de subtilités de langage qui sont intéressantes. Mais c'est très dur à faire aboutir. Mais alors, je comprends que beaucoup de groupes de rock qui essaient de composer, qui ont peut-être pas de facilité avec le français pour écrire, se tournent vers l'anglais parce que c'est très dur d'adapter du français. Tu peux être un très très bon écrivain, avoir du vocabulaire à non plus finir, et quand tu te retrouves à faire des rimes et à faire en sorte qu'elles soient catchy, qu'elles sonnent, et ben c'est quand même une difficulté parce que ça peut transformer ton texte parce que tu n'arrives pas à trouver le mot. Eh ben oui, alors justement là, est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre entre l'origine de ton texte? Des fois en anglais, oui, des fois non. Carrément, t'as changé un peu. Ouais, j'ai changé des choses. Il y a des choses, je suis pas satisfait encore. Je me dis, j'aurais pu trouver mieux, mais à un moment, il faut y aller parce que sinon, tu peux. Mais ça ressemble quand même au texte d'origine ou carrément t'as basculé? Ah non, des fois c'est complètement complètement différent. Mais je me souviens de, je crois que c'était Alain Souchon qui disait que il a attendu 10 ans avant de sortir une chanson parce qu'il y avait un mot qui lui plaisait pas dans la chanson. Ah oui. Il arrivait pas à le trouver en fait. Et il a sorti la chanson qu'à partir du moment où la phrase... Donc moi je ferai pas comme Alain Souchon parce que je suis trop impatient. 10 ans c'est beaucoup trop long, les gars, on a plus le temps. Déjà en fait. 2 ans c'est beaucoup. Donc voilà. Bon, prendre son temps c'est bien aussi. Hein. D'ailleurs tu l'as pris quand même depuis 2021-2022. Ça arrive relativement vite, mais je veux dire, tu t'es lancé tout de suite dans le projet. Oui, de toute façon il était ça. Là et je savais qu'il fallait que ça sorte. Parce que sinon, les regrets, j'aime pas ça. Ouais, tu te diras, j'aurais dû et j'ai pas fait. Alors du coup, insomnie euphorique, hein, c'est ce qui t'a maintenu éveillé pour pouvoir écrire cet album. C'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que j'ai basculé dans un rythme que je ne recommande pas d'ailleurs, mais qui est celui des insomnies. Quoi. Ouais. Je passe mes nuits à avoir des insomnies. Ouais. C'est quoi qui te travaille en fait? C'est la musique? C'est les textes? Tout. Souvent la musique, des fois c'est les textes, c'est les idées que tu peux avoir. T'as les idées qui arrivent et qui se culbutent, tu sais plus quoi en faire. Et en fait, il y a une auto-alimentation de l'excitation. Donc en fait, t'arrives pas à dormir. Quoi. Voilà. Et puis la nuit, tu trouves que tout est bien en fait, tout est magnifique, tout est génial, le moindre mot que t'as trouvé ou le moindre accord de guitare, tu dis ah ça va faire une chanson géniale. Puis bon, après le matin, tu dis bah. T'es dur au café, ça donne quoi? Peut-être pas tant que ça. Alors finalement, j'aurais mieux fait d'aller me coucher parce qu'en fait, je crois qu'on va changer Marie-Laure, t'es d'accord ou pas? Insomnie euphorique, c'est ce qu'on va écouter. Tu nous parles juste du morceau, qu'est-ce que tu nous racontes dans ce morceau? Ah ben, je raconte surtout la collaboration que je qualifie et je pèse mes mots de exceptionnel de Pascal Allègre, qui est un guitariste calédonien qui sort des albums régulièrement qui sont essentiellement des instrumentaux plutôt axés métal. Ouais. Et je me suis toujours dit que ce garçon avait tellement de talent qu'il pouvait s'adapter à tout. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de demander à Pascal de faire un solo et des arrangements de guitare sur un titre qu'il n'aurait pas forcément imaginé jouer. Tu lui as demandé de sortir un petit peu de sa zone de confort, en réalité. Oui, quoique lui, sa zone de confort, il est tellement doué que tu as envie d'aller vendre des frites à Marrakech quand tu le vois jouer, toi. Ou à Oran, ou n'importe où, tu vois. Ou d'arrêter de la musique, en fait, quoi, parce que tout est facile avec lui. Ou qui t'accompagne pour en faire un titre. Mais il est trop occupé, ce garçon. Voilà, j'ai essayé d'avoir un deuxième titre avec lui, et ce que j'aime beaucoup dans ce garçon, c'est que quand il te dit je fais un titre, il le fait. Ouais. Il le fait dans la semaine ou dans les 15 jours, et à un moment, quand toi, t'es tellement beau que tu dis tu voudrais pas m'en faire un deuxième, il dit écoute, je pourrais pas. Ouais, je veux pas bâcler le. Exactement, et donc ça, voilà, c'est une attitude que j'apprécie énormément en plus de son talent. Et du coup, sur Insomnie Euphorique, il a fait quoi? Il a fait de tous les solos. Il a fait des arrangements guitare, il a fait l'intro, il a fait le super solo, il a fait des arrangements à la fin. Donc ça a apporté une plus-value de, à mon sens, de 50 ou 60% au morceau. Je vais même te raconter une histoire, c'est que j'ai voulu qu'il soit sur le... Tu sais, on remplit des fiches SA5. Ouais, bien sûr. Pour des droits quand c'est diffusé. Quand ça passe à la radio. Je voulais qu'il soit à bonne hauteur dans la chanson, en étant arrangeur en fait. Et lui, il n'a pas voulu.
Ah oui. Voilà. Ça prouve c'est pour te montrer la classe, parce que je pense qu'il a voulu faire le solo peut-être pour me faire plaisir, et que c'était pas pour essayer d'avoir son nom quelque part ou de toucher des royalties sur quelque chose en fait. Et donc ça campe le personnage, et bah voilà, si il écoute ou si quelqu'un le connaît, je le remercie mille fois. Eh ben écoute, voilà, on va se faire plaisir pendant 4 minutes et 57 secondes exactement, on va dire 5 minutes de bonheur avec donc Insomnie Euphorique signé Laurent Navarro. On se retrouve juste après pour la troisième partie de cette interview sur Énergie.
bien savoir ce que font les personnes connues, mariées, pas mariées, un procès, un bébé. L'actualité des people, c'est People sur Énergie. Le journal des people. On va parler de Pharrell Williams qui est happy. Pharrell Williams n'a pas fini de multiplier les casquettes et devient le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton. Louis Vuitton a indiqué dans un communiqué du 14 février que sa première collection en tant que directeur artistique sera présentée lors de la Fashion Week de juin 2023. La marque a justifié son choix dans un communiqué en décrivant Pharrell Williams comme une icône culturelle universelle au cours des 20 dernières années. Très impliqué dans la mode, sa première collaboration avec Louis Vuitton remonte en 2008. Cette année, il participera à la confection d'une collection de bijoux et de lunettes. Et depuis 2014, c'est Adidas qui a le plaisir de collaborer régulièrement avec Pharrell Williams, notamment pour des collections de sneakers. Le journal des people. L'actualité des people, c'est People sur Énergie. Good morning, 8h-9h du lundi au vendredi, la suite du réveil. Good morning avec MyShop Supermarché, votre supermarché avant la clinique de Nouville, toutes vos courses à portée de main. Soyez les bienvenus sur Énergie si vous venez tout juste de nous rejoindre. À l'instant, nous venons d'écouter Insomnie Euphorique. C'est le deuxième EP de Laurent Navarro qui est avec nous sur Énergie. Ça va toujours, Laurent? Bah, ça va bien, merci. Oh, donc, tu nous parlais d'Insomnie Euphorique, hein, le titre de ce deuxième EP qui est sorti le 17 février avec une guitare du Calédonien Pascal Allègre. On s'est fait plaisir à l'écouter. Là, tu m'expliquais un petit peu hors antenne sa façon de faire. Mais je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter son travail en plus, sur notamment le dernier album qu'il a sorti, où là aussi il a des ambiances qui sont vraiment excellentes et un travail de son qui est très très bon. Laurent, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça passe toujours bien trop vite, on est d'accord. Juste pour rappeler, ancien animateur et programmateur sur Énergie depuis plus de 30 ans, mais également musicien, auteur, compositeur, ça très peu le savaient, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Tu as joué dans de nombreux groupes de reprises comme Charlie Midnight, Speed Boris avec... Alors Charlie Midnight, c'était surtout de la compo. Ça, c'était de la compo essentiellement. Ouais. C'est quoi, Speed Boris qui était... Speed Boris et de la compo. Aussi, d'accord. Voilà. Après, il y a eu plein d'autres groupes. Bob Ayou, c'était de la country music. Il y a eu Black Mamba, c'était des reprises pop rock. Le Remix, c'était de la compo. Ah, t'en as fait quand même. Hein. Les Black Lights, c'était de la compo aussi. Ensuite, Les Trois Petits Cochons, où là, c'était de la reprise. Plus récemment, là, 7-8. On sera en concert d'ailleurs le 24, vendredi, au Bout du Monde. Le 24, ce vendredi. Ce vendredi qui vient. Au Bout du Monde, à quelle heure on peut se retrouver là-bas? À partir de 19h30. À partir de 19h30, et là c'est que des reprises par contre. Que des reprises. Il n'y a pas tes nouveaux titres. Non, du tout. D'accord. Non. Ok, de quoi faire chanter un peu la foule. Exactement. Laurent Navarro, c'est aussi le concepteur de web média Nouméa City Rock. Oui. Tu nous en parles 2 minutes? 2 minutes, c'est un web média qui est consacré au rock, rock calédonien quand l'actualité le permet, et puis rock de tous les pays international. Du monde, international. Ok, ça a été créé depuis quand? Ça fait depuis 2021. 2021, oui, voilà, en fait, quand t'es parti d'Énergie. Hein. Voilà. D'accord, ça se passe bien? Très bien. Ok, merci. Super. Donc des concerts de prévu hormis 7-8 pour toi, pour les nouveaux albums qui arrivent? Non, j'essaie de monter une formation, ce qui n'est pas évident, parce que il n'y a pas beaucoup d'opportunités de concerts pour les groupes qui font du rock. Donc voilà, c'est pas très motivant. Il y a moins d'opportunités qu'avant, tu dis? Ben largement, oui. Ah oui, c'est vrai, ça vient de quoi, tu crois? Enfin, ça vient que les établissements de Nouméa préfèrent qu'il y ait des reprises pour qu'il y ait des chansons connues pour les gens qui viennent, voilà. Il faudrait peut-être faire un mix entre eux et tes nouvelles chansons. Non, t'as pas envie non plus. C'est un ensemble. Si je joue des titres qui sont personnels, j'ai pas envie de mettre... Tu peux en mettre une ou deux à la fin, mais il faut que l'ensemble... c'est un fil directeur, hein. Il y a une cohésion entre les chansons les unes après les autres. Mmh. Et donc, mettre des trucs au milieu, c'est... Non. D'où tout le temps que tu as pris pour trier ta discographie, de faire quelque chose d'homogène, en fait. Hein, oui, c'est ça, oui. Mmh. Donc, l'ensemble de cette EP a été mixé à Los Angeles par Damien Reynaud, guitariste Marc Chance. On a Jean Rigaud aussi qui était dessus, Pascal Allègre, on vient d'en Alors, parler. Jean Rigaud, c'est le guitariste des Infidèles qui a fait le solo pour la chanson Comment lui résister du précédent album. Ouais. On a Frédéric Le Dior aussi. Oui, qui joue de la guitare rythmique un petit peu à la Lenny Kravitz sur le prochain titre qui est Crazy World. Ouais. Voilà. Exactement. Et tout ça est en vente. Parce que c'est bien beau, les amis, mais il faut que les musiciens ils retirent un peu le fruit de leur travail et surtout que la banque soit contente qu'il y ait des rentrées de sous après toutes tes sorties. Tu m'étonnes. Alors, du coup, on trouve ça sous forme de clé USB au prix de 1000 francs.
Voilà, voilà, alors ça c'est pour ceux qui veulent du physique, parce que maintenant CD, c'est un petit peu difficile de pouvoir diffuser des CD, ça disparaît. Donc sur les plateformes de téléchargement, vous pouvez y aller, vous allez sur Bandcamp par exemple, vous pouvez payer en ligne pour avoir l'album ou à la chanson, celle qui vous plaît, avec le livret numérique, etc., etc. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose, d'un objet dans les mains, physique, il y a des clés USB, vous allez sur mon site laurentnavarro.com et puis vous m'envoyez un petit message si vous souhaitez avoir justement cet objet. Voilà, ou encore donc les différentes plateformes, comme tu disais, comme Bootcamp, Spotify ou encore Amazon Music. On en parlait un petit peu hors antenne, c'est facile des démarches à faire pour pouvoir justement s'inscrire sur ces différentes plateformes. Il faut trouver, il y a des plateformes qui s'occupent de ça en fait. Il suffit de payer quoi. Comme toujours, hein. Bah oui. Donc c'est pour ça de temps en temps avoir un petit peu de rentrée de sous-sous pour combler le trou abyssal. Exactement. Ça peut être sympa. Insomnie euphorique, c'est le titre de ce deuxième EP, donc en fait, de cet album solo, pardon. C'est ça. Hein, oui, parce que les deux sont valables. Et en le fait, deuxième EP qui est tenu par toutes les histoires. Oui, exactement. Exactement. Donc au prix de 1000 francs en clé USB ou alors sur les différentes. Alors sur la clé USB c'est 1000 francs, mais vous avez une clé de 4 gigas quand même. C'est-à-dire qu'à la limite, t'aimes plus les chansons. Tu veux plus voir ma tronche et tu veux plus m'entendre. T'effaces tout et tu mets des films. Et tu vois, ta clé de 4 gigas. Voilà, comme ça, t'as tout. Va trouver une clé de 4 gigas à 1000 francs. J'avoue. J'ai dit, hein. Bon, voilà. En plus, elle est gravée avec mon nom dessus. Alors, les gars. Vous avez entendu. Là, je pense que ça vaut le coup. Là, le gars, il fait sa petite. Oui, mais t'as bien raison. T'as bien raison. La radio, c'est fait pour ça. Laurent Navarro, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et je remercie Énergie de donner l'opportunité justement. Un plaisir, de. Bien sûr. Oui, mais attends, c'est pas évident. Bienvenue, hein. C'est pas évident pour le rock. C'est de plus en plus difficile à Nouméa de pouvoir que les groupes de compo puissent s'exprimer, pouvoir expliquer ce qu'ils font. Donc, merci beaucoup, Énergie. C'est pas parce que j'ai été avant Énergie. Je ne suis pas là pour passer de la pommade ou des choses comme ça, c'est que c'est la réalité. Ouais. Donc je vous remercie. Eh ben écoute, voilà, avec plaisir, tu seras toujours le bienvenu, Laurent, sur un siège d'Énergie pour nous parler de ton actualité ou de toi tout court. Hein, voilà, ça nous fait toujours plaisir de te voir pour un café ou autre. Je rappelle le titre de Insomnie euphorique, pardon, le titre de ce deuxième EP que tu es venu nous présenter. On va se quitter avec Crazy World. Un petit mot vite fait sur cette chanson. Comme son nom ne l'indique pas, c'est en français. Voilà. Un monde de fous, signé Laurent Navarro. Voilà. Merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve bientôt sur Énergie. Ça marche. Merci Greg. À bientôt Laurent. Salut. Bisous, bye bye. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. J'écoute l'énergie partout. It's music only. Les super promos de la rentrée sont arrivés chez SGIA Pneus. Jusqu'au 4 mars, profitez d'une remise de 25% sur tous les pneus tourisme et 4x4. Pirelli, Yokohama, Sunfull, équipez-vous avec des pneus de marque pour assurer la sécurité de vos passagers comme un super-héros. Profitez-en vite chez SGIA Pneus à Montagne Coupée et Conné. Plus d'infos sur Facebook et sgia.nc. Oh, il y a encore des Toyota à gagner? Eh ben oui! Il y a tellement de gens qui nous disent qu'ils n'ont pas encore gagné qu'on...